Et mesdames, messieurs, bien bonjour à tous, excellent réveil, excellente matinée, c'est reparti pour la matinale week-end. Bonjour d'Algérie, vendredi, samedi et dimanche. Nous, on est très heureux de vous accueillir en ce vendredi 16. Et ce matin, au programme, comme tous les vendredis, forcément, on va parler santé avec docteur Ben Achenou, qui va parler sucre, obésité et forcément diabète. Ça va ensemble. Ce sera la thématique du jour avec docteur Ben Achenou. On enchaînera tout à l'heure avec d'autres invités pour parler du centre, par exemple, de la création et de la thérapie artistique. Nous reviendrons également sur le marché du Maulid Nabaou Sharif, le marché du Mouloud. Ça se passe du 15 au 19 à Riyad El Fet, mais pas que, et du 20 au 24 novembre au Palais de la Culture. Et là, ça s'intitulera non pas le marché du Mouloud, mais plutôt le marché El Badr. Tout à l'heure aussi, il s'appelle Houssine Ameziane, vice-président de la Fédération Algérienne d'Escrime. Avec lui, on va parler des championnats d'escrime. On va revenir un peu sur nos athlètes et sur le niveau actuel. Et on finit tout à l'heure avec Mohamed Mouftar, il est artiste. On va parler de la poésie populaire avec lui. Et ce sera la thématique du jour, artistique en tout cas, de la matinale. Voilà, vous connaissez le programme sommairement, on va le découvrir ensemble durant 90 minutes. Mais juste avant, forcément, c'est la météo et c'est présenté par Fletcher. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La météo du jour avec vous, Fred Chir, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, très heureuse de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, le temps reste mitigé. Le soleil aura du mal à s'installer vers le sud, plutôt vers le sud-ouest, le Sahara central et le Nord-Sahara. Le temps sera variable à l'ouest, possibilité de quelques faibles pluies. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement. Au centre ainsi que vers l'est, on notera beaucoup de soleil, très peu de nuages au programme. Et puis sur la partie sud, donc, le temps sera couvert et pluvieux au Nord Sahara, au Sahara central, avec des pluies sous forme d'orages au courant de cette journée. À noter aussi un temps voilé de l'extrême sud vers le Hoggar, le Tassili, jusqu'au Sahara oriental. Les températures prévues pour cet après-midi, elles restent de saison, stationnaires. On attend 21 degrés à Alger, il fera 20 à Nabas Kikda, 21 aussi pour Guelma, 15 à Betna, un minimum de 14 degrés à Al-Bayod, 22 à Tlemcen, c'est le maximum. Même chose pour la wilaya de Gardaïa, même chose pour Gardaïa, 25 à Hassim Saoud, 20 à Béchar, 23 à Tindouf, entre 28 et 29 au Sahara central, 33 à l'extrême sud et enfin 26 vers le Hoggar et le Tassili. Place ce matin au continent européen. Eh bien aujourd'hui, le temps reste mitigé. Le soleil s'imposera largement vers le centre. Il fera beau aujourd'hui à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Berne, jusqu'à Dublin, Londres, Copenhague, Berlin. Côté température, prévoyez 12 degrés à Budapest, 8 à Prague, Varsovie, 10 degrés à Copenhague, Berlin, 8 aussi pour Berne, 16 à Paris, 20 à Bordeaux, 15 à Dublin, 19 pour Lisbonne, Madrid, c'est le maximum, et enfin 12 degrés sous un temps orageux à Budapest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h39. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les www.météo.z. Merci pour votre présence. Excellente matinée avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et ouais, et dans l'ensemble, forcément, c'est le soleil qui l'emportera pendant ce week-end. En tout cas, en ce vendredi et à midi, vous retrouverez tout à l'heure Fallait le Chir, à midi et à 19h pour les prochains bulletins météo. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Dr Ben Achenou. Aujourd'hui, on va parler sucre, obésité, diabète. Mais juste avant, on va écouter un vrai sucre, lui. Ah, lui, c'est un grand artiste qu'on adore d'ailleurs. Il s'appelle Sikamel. C'est parti, on se retrouve juste après.
Bienvenue dans les années 80, vous regardez à la télévision et sans plus tarder après ce jingle, c'est forcément vous. Comment ça va ? Pas forcément, agréablement j'espère. Agréablement vous ? Ah forcément pas au sens contrainte. Ouais, non, non. Non, non, mais c'était forcément... Parce passage écrit, obligé, disons. J'avais écrit santé, donc forcément, ouais. Santé c'était vous. Très bien, oui. Bah oui. Comment va docteur Benachnou ? Ça va très bien. Ça... Vous avez passé une bonne semaine ? Oui, très animé, surtout cette semaine avec la journée sur le diabète. Ouais. Qui a été d'un enrichissement terrible au point de vue chiffres. On a appris qu'on est bientôt vers les 4,5 millions de diabétiques. D'accord. Et que cette journée qui a été organisée par qui ? Par le ministère de la Santé, c'est important. Ouais. Mais je crois que cette journée, au-delà du fait qu'elle se déroule dans un très grand hôtel d'Alger, mais elle nous a permis... Non, je vais... Non, ça vous dérange, vous, à chaque fois. Hein, non, ça ne me dérange pas. Une information aussi riche, une rencontre aussi riche, oui. Porteuse d'informations fondamentales. Vous avez des réflexions très populistes, docteur Benachou. Pas populiste. C'est-à-dire que si ça se passe dans un hôtel, forcément, c'est non. Pas diffusé au large public. Non, c'est en chapelle close. C'est prêché entre convertis. Voilà, ouais. Ça, c'est pas de moi, on l'a déjà. Oui. Mais je crois que ces riches informations... Oui. Sur le nombre, sur la prévention, tout ça. Maintenant, on doit passer un stade de diffusion auprès de la population. C'est la population qui enrichit cette armée de diabétiques. Il faut lui expliquer... Mais le passage obligé, c'est les professionnels de la santé. C'est normal qu'il faille les réunir dans un lieu, leur permettre d'échanger entre eux, de prendre connaissance de la situation. D'accord. Ensuite, de ressortir sur le terrain. Là, je peux dire, mon expérience m'a montré que ces informations, ces réunions, on va les retrouver l'an prochain avec les mêmes alertes et toutes ces choses-là. Ce que je dis, qu'il est temps de prendre ces informations et d'avoir recours. Pourquoi je dis 4,5 millions ? 4,5 millions, il faut comprendre ce que c'est. Ce sont les cas connus, les cas pris en charge. Maintenant, dans le diabète... Il y a ce qu'on appelle des gens de la population, partout, la population, qui sont porteurs de signes de diabète, mais qui s'ignorent. Et le diabète va progressivement augmenter. Ce qu'il faut faire, ne plus parler de diabète, il faut parler du pré-diabète, c'est ça la tendance. Le pré-diabète, ce n'est pas un mot... Non, par exemple, le syndrome métabolique. Je crois qu'il faut le développer, c'est faire quelques analyses. Peinard, c'est pas demandé. C'est par exemple voir le tour de ventre, c'est faire un taux de cholestérol, c'est faire un taux de glycémie. Le syndrome en médecine, ça veut dire que c'est un ensemble de symptômes qui va nous permettre d'anticiper et de bloquer la survenue d'un diabète. Je crois qu'il faut passer à ce stade-là de la prévention primaire. À ce moment-là, prévenir, prendre des mesures, ce chiffre que j'espère ne pas retrouver l'an prochain de 4,5 millions ayant augmenté, ce chiffre va diminuer. Il ne faut pas faire comme des oies effarouchées. Il y a le diabète qui augmente, il y a le diabète. Non, mais c'est ça qui... Ouais. Il faut passer un stade. Je donne un exemple. En même temps, je le répète. En même temps, sur les 30 dernières années, vu comment on a mangé et ce qu'on a mangé, il ne faut pas non plus s'étonner d'avoir autant de cas de diabète. Voilà, et jusqu'à quand on va faire ces constatations ? Je crois qu'il faut. Je donne un exemple très simple de la vie quotidienne. Oui. Un pays européen vient de prendre une décision d'application de diminuer de 70% le taux de sucre dans les boissons sucrées et tout ça. Nous, on annonce ça comme une victoire de diminuer de 4%. Mais il ne s'agit pas de diminuer de 4 ou de 100 ou de 1000. Je crois qu'il faut tenir compte de ce danger de consommation de sucre. Le café, on constate qu'il y a du sucre à l'intérieur. Oui. C'est doublement, il est mélangé, c'est vrai. C'est doublement dangereux. Il y a de la hamessa aussi. Hein. Hamessa, c'est doublement dangereux. Il y a le sucre. Et ensuite, il y a le sucre torréfié avec le café à des températures élevées qui produit une substance cancérigène, doublement dangereux. Et on dit, non, c'est peut-être permis, c'est le taux. Non, le café, c'est très simple. Le café, vous avez deux types de café.
Arabica et Robusta. C'est jouer sur ces deux trucs. Mais que la hamessa, la rose, la kahwa. Mais vous savez très bien que s'ils mettent de la hamessa et du rose et de la. du rose. Bah, dans le riz. Non, c'est pas le riz, mais je veux dire, s'ils mettent de la hamessa et du sucre, vous savez très bien pourquoi. Pour une question économique. Bah oui, ça s'appelle du drill. Vous vivez où, dans quel pays? Ouais, mais drôle. Même là, je parle économie. Ouais. Maintenant, il faut qu'on agisse sur le conditionnement. Pourquoi mettre des paquets de 500 grammes? Mettons des doses de 100 grammes. Comme ça, on va diminuer la prise de café qui est affolante dans notre pays. Et deuxièmement, ça permet d'avoir accès... Des doses de 100 grammes ou de 150 grammes, c'est au point de vue économique. Moi, je ne vais pas être obligé d'acheter. Et chez les torréfacteurs, vous pouvez acheter du 100 grammes, vous savez très bien. Oui. Parlez-vous de ce qui est vendu dans les commerces. Bien 250 sûr. Grammes, 500 grammes, 1 kilo. Voilà. Ça c'est, il faudrait agir sur le conditionnement ouais. qu'on oublie. Les histoires de... yaourt hyper sucré. On s'est lancé, vous l'avez dit, depuis 30 ans, on s'est lancé dans des composés. Par exemple, fruits des bois. Arrêtons de raconter n'importe ouais, quoi. Oui, mais la seule production. J'adore. Et vous découvrez la supérette ou quoi? Ça fait 30 ans que vous mangez quoi? Non, je découvre ce qu'il y a le terrain. Allez voir, j'aimerais qu'un jour on fera un. Allez voir ce que c'est le calvaire d'un insuffisant rénal. Et combien ça coûte à l'État. Allez voir ce que c'est qu'une cécité, c'est-à-dire quelqu'un qui perd la vue. Allez voir quelqu'un qu'on a amputé d'un membre inférieur. Ouais. C'est une catastrophe individuelle et pour la famille, et ça coûte. C'est pour ça que, allons-y, faisons une étude économique. Combien coûtent ces comportements aberrants de 30 ans de consommation absurde ouais. Et ensuite... Sortons de cette morbidité qui est le diabète et parlons un petit peu, voilà, les complications chroniques, c'est juste, très simple. J'ouvre juste la parenthèse, 84% du café disponible en Algérie, qui est disponible sur le marché algérien, est dit non conforme. Non juste conforme. Pour vous dire. C'est grave ce qu'on dit là, il faut agir. Quand voilà. on fait une journée contre le diabète, c'est agir sur le mode de vie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est ouais. l'OMS. Elle dit maintenant, les maladies, on s'en fout, il faut agir sur le mode de vie. Comme ouais, ça, depuis on les années 80, vous savez très bien que la production nationale dans l'agroalimentaire n'a consisté qu'à vendre du sucre, des produits laitiers hyper sucrés, des boissons gazeuses et non gazeuses hyper sucrées. Après, vous avez effectivement l'huile et d'autres, mais on n'a pas concentré sur les produits de base, les vrais produits. On n'a oui, pas essayé sur le gum. Il faut réfléchir sur une chose. Oui. Toutes ces denrées alimentaires que je mets entre guillemets. Il n'y a aucune régulation autour. Il n'y a aucune régulation. Mais le producteur fait des bénéfices, hein, en vois-tu, en voilà. Mais c'est le budget de l'État. Qui c'est qui va prendre en charge un aveugle, un non-voyant? Non, mais il y a plus grave encore, si vous êtes en train de parler de l'impact. Alors, est-ce que vous avez entendu parler des fameux des producteurs de produits laitiers et des producteurs de boissons gazeuses et de boissons sucrées. Qui utilisaient le sucre à une certaine époque, hein, je ne dis pas aujourd'hui, qui utilisaient le sucre qui est subventionné par l'État pour en faire des produits qu'eux revendaient à des prix qui étaient alors là, hors... En pleine réflexion économique, il y a dans le domaine économique, c'est une aberration. Et en plus, ces aberrations, on y persiste, on dit « Ah, il ne faut pas toucher ». Non, je crois qu'il faut revenir à des comportements parce que ça devient dangereux. La sécurité de la santé de l'Algérien est menacée. Mais je trouve qu'on doit réfléchir. Par exemple, lancer une campagne de prévention cette année 2019, voire une prévention, il ne faut pas dire l'Wiqaya Khair Mil Ilaj. Non, la prévention... c'est vrai, docteur, l'Wiqaya Khair Mil Ilaj. Littéraire, ça c'est littéraire. Mais ce qu'il faut, d'accord. c'est la prévention primaire. Agir sur le quotidien du citoyen et de la citoyenne, ce qu'il mange, ce qu'il boit, le prévenir, et surtout, pourquoi on ne parle plus du syndrome métabolique? C'est ça, c'est un ensemble de signes qui me prévient à une information. Si un diabète se déclare aujourd'hui, vendredi, on est 18. On est le 16, qu'est-ce que vous On est le 16. Vendredi 16. Oui. Si un, ben ça, je ne le souhaite pas,
un diabète se déclare aujourd'hui. Sachez qu'il... Il doit y avoir des dizaines de cas qui se déclarent chaque jour. Hein. Oui, mais attends. Oui. C'est, il faut savoir une chose, c'est qu'il était en train de se goupiller depuis il y a 10 ans. C'est le processus terminal qui a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, on peut intervenir, expliquer. L'obésité. Moi, je crois qu'on en parle. Vous voyez un petit peu le matin l'entrée des écoles et des lycées. Ah non, docteur Benachou, je ne suis pas passionné par l'entrée des écoles et des lycées. Eh bien, moi, je le fais, je le fais. Ouais. Chaque matin, je passe le nombre de filles et garçons. Ouais. Filles et garçons, le nombre d'obèses, eh bien, ça nous prépare de gros problèmes. Les gros problèmes qui sont... L'AVC, la maladie, la neuropathie. Vous savez, la neuropathie diabétique, ce que c'est ? C'est le sucre, je résume, le sucre qui bouffe les nerfs sensitifs et tout ça. C'est des douleurs atroces. C'est ce qui cause l'amputation. Non, c'est des douleurs atroces. Bah, c'est ce qui est écrit, première cause d'amputation. Oui, la neuropathie, mais avant de ça. Ouais. Avant de vivre l'amputation, c'est des douleurs atroces et on n'a pas les éléments pour... On ne cherche qu'à calmer ces douleurs, mais c'est une vie atroce, des douleurs terribles. La néphropathie diabétique, alors là, on est le paradis de la néphropathie diabétique. Regardez le nombre de dialysés, le nombre de ceci. Et ensuite, rétinopathie diabétique. Vous perdez la vue, vous savez ce que c'est que la vue ? Deuxièmement, c'est un... Bon, vous nous excusez pour ceux qui regardent la télé, l'image est coupée, vous ne pouvez pas lire tous les mots. Ah bon, voilà. Ouais, mais ce n'est pas grave, il y a le docteur Benachnou qui est très didactique ce matin et qui va vous faire de la lecture. Rétinopathie diabétique, il y a une atteinte de la rétine, invariablement c'est perdre la vue. Et pire, il n'existe pas, en Algérie on a des trucs, va en Espagne, va en Turquie, ça. Mais quand c'est la perte de vue à cause d'un diabète, même si vous revenez dans le ventre de maman, c'est irrémédiable, c'est perdu totalement. Donc ça c'est important, un désastre pour la personne, pour sa famille et pour le budget de l'État. Une amputation, vous savez ce que c'est? Le part de perdre son membre inférieur, son pied, d'accord? Mais l'État, le budget de l'État, et heureusement dans notre pays on a une santé publique qui est en faveur du citoyen, il faut veiller à ce qu'elle le continue, elle le reste. Vous savez, il faudra faire une prothèse. Vous savez, il y a une période quand on coupe le pied à quelqu'un, il y a le membre fantôme. Malgré que le pied soit coupé, vous ressentez qu'il y a toujours... Donc ces petits moments, qu'est-ce qui coûte face à diminuer et expliquer, éduquer les gens. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme cette image qu'on vient de balancer à l'écran. C'est la pomme ou le burger, vous allez prendre la pomme. Bien sûr, et je recommande, à une condition. Ah. Bien laver la pomme et éplucher la pomme, parce que, vous voyez, le diable se cache dans les petits détails. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et il faut, parce que tous les produits chimiques, les pesticides et autres, ils se logent. Et on a beau la laver, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut éplucher. Pour ceux qui veulent tester, vous prenez une pomme, vous prenez un couteau et vous ne coupez pas la pomme, vous commencez à gratter. Mais gratter avec insistance, sans la déchirer. Vous allez voir que vous allez tirer jusqu'à 3 mm de couche non identifiable. Vous êtes un excellent transmetteur de bonne santé et d'éducation sanitaire. Ah ouais, moi je suis au bord de l'obésité par contre. Et je reviens au début de cette chronique, comme on a dit, vous êtes contre les hôtels, tout ça. Mais les hôtels, moi je m'en fous qu'ils se réunissent là où ils veulent, ça les regarde. Il faut transmettre à la population, aux enfants, regardez, qu'est-ce qu'il faut manger, les fruits et légumes, pourquoi manger les fruits et légumes. Je vais vous dire, la photo, c'est, on a l'impression que c'est un cliché, on a l'impression que c'est un cliché, le fameux discours qu'on répète depuis des années, manger 5 fruits et légumes par jour, il faut juste manger des fruits et des légumes, c'est tout, hein. ni 5, ni 10, ni 25. Ça, je sais pas. Faut juste, le chiffre, c'est du marketing. Après, c'est l'activité sportive surtout. Hein. Par exemple, cette diapo, si je puis dire, qui est très intéressante. Pourquoi ne pas en faire des jouets à distribuer aux enfants? Au lieu, on parle de violence, au lieu de mettre des Superman ou je ne sais quoi, faire des petits cubes comme ça, des petites pyramides comme ça, sous forme de jouets, et la distribuer aux enfants, que ce type de tableau soit présent dans la quotidienneté. Et regardez comme c'est beau, c'est instructif, ce sera déjà un grand progrès. Bon, alors, en fin de compte, c'est quoi? Un conseil.
Le diabète est... Alors, à deux types de personnes. Celles qui arrivent à la vie, oui. Allez, 15, 18 ans, jusqu'à 30 ans maximum. Vous savez 30 que ans, le diabète touche cette tranche. Non, mais, bon, elle est moins touchée que l'autre. Mais elle est touchée, effectivement. On n'a pas dit qu'elle était complètement isolée. Alors, du coup, ou à leurs parents, ça c'est un. Et pour ceux qui, ça y est, sont entrés dans la phase difficile à changer les habitudes, c'est quoi vos types de conseils ? Vous m'offrez un large. Il y a ce qu'on appelle l'éducation sanitaire pour les gens qui ne sont pas touchés par le diabète. Éducation sanitaire, dans le sens où leur apprendre, premièrement, les informer. Comment manger, oui. Mettre, développer cette pyramide, heavy wahda. Deuxièmement, ceux qui sont touchés, à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on est diabétique qu'on doit être abandonné, il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est à ça. Savoir qu'eux aussi sont soumis à un régime. Et très important, troisième partie, troisième joueur dans cette partie, c'est le fait qu'il faut agir sur l'environnement et la production des produits alimentaires, qu'ils soient synthétiques, industriels, tout ce qui s'est produit. Voilà un truc qui échappe. Les gens vont dire qu'ils ne parlent que des boissons. Les biscuits secs, c'est une catastrophe. Alors doublement, il y a du sucre et il y a des matières grasses. Je demande aux spectateurs de prendre un biscuit sec, de l'envelopper dans un papier, mouchoir papier, laissez-le, vous allez voir la quantité de graisse qui sort. Quel type de graisse? Par exemple, maintenant chez nous, on ne sait même pas. C'est sur ça qu'il faut agir et expliquer. Moi maintenant, si je dis manger des fruits et légumes, mais qui sont pourris aux pesticides, sans leur dire qu'il faut bien les laver, sans former les agriculteurs, c'est tout un truc. Deuxièmement, on a parlé de la résistance aux antibiotiques, c'est le même pathologie un petit peu, c'est à cause de donner des antibiotiques. C'était cette semaine un rapport du Fonds alimentaire mondial, la FAO. Il y a des résistances, mais Haoudia El Mouloud, pourquoi il n'y a pas de traçabilité? Il faut veiller. Toujours quelqu'un me dit, l'Algérie. Mais sous l'Algérie, c'est le pays de... Mais pourquoi? Ça, c'est... Vous avez... Ah ouais, non, mais c'est... Non, ce qui est bien, c'est que les gens que vous connaissez sont un peu réalistes, quoi. Ils vous disent ça, ouais, il y en a d'autres qui ont dit qu'ici, c'était mieux que les États-Unis. Bon, après, chaque pays se vaut, mais bon, oui, si tous les pays se valent, mais chaque pays a... Un comportement, il est temps. Mon pays, moi, il est parfait pour moi. Ce qui est important, c'est qu'une idée juste, rationnelle, elle n'est pas la propriété des Américains ou des Européens ou de je ne sais qui. Oui. Un comportement rationnel, dans notre pays, il faut une traçabilité des poulets. En 2019, avec tout ce qu'on possède et toutes les ouvertures technologiques, on n'arrive pas à savoir ce qu'on mange. Ouais. Et après, on va se plaindre, les maladies infectieuses, on n'arrive pas à les gérer parce qu'il y a des résistances. Ouais. La résistance ne tombe pas du ciel, c'est parce qu'on s'est gavé, comme les oies, on n'a pas d'oies en Algérie, mais on a gavé nos poulets d'antibiotiques. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais il semblerait que... Ce soit vrai. Il semblerait, j'utilise le conditionnel. Lancer une émission, elle l'appellera spéciale investigation et puis aller à la recherche du poulet, du taxi qui déclare pas, du... Non, ça ne me regarde pas. Moi, du e-commerce et qui ne reverse pas la TVA. Mais Mahrez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé et il y a des dispositions. Ah, si vous faites de l'investigation, c'est du début à la fin. On ne fait pas juste un sujet puis on s'arrête. Docteur Benachou, merci à vous en tout cas. Merci pour vos conseils. On aura compris. Manger sainement, éducation. Et produisez sainement. Production économique saine. Faisons l'effort. Voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. Ce matin, la deuxième partie de cette émission, enfin, deuxième prochaine étape, on va parler d'art et de thérapie. C'est bien? Très important. Ça bien ensemble, ça? Bien sûr. Bah oui. Et on connaît les... Il y a Édouard Munch, qui est un peintre. Le cri d'Édouard Munch, c'est tout un... la pathologie... mental se reflète et ça c'est important et on arrive surtout chez les enfants, hein, les enfants aussi ça sert.
Et ça tombe bien, c'est Hashmi Benzien qui sera avec nous dans quelques instants. Alors lui, il est représentant du Centre de la Création et de la Thérapie Artistique. Art Thérapie, ce sera au menu de la matinale, juste après ce reportage de Nassib Al-Jaidir, sur la deuxième édition du Salon de l'Art de la Céramique. Et ça se passe au Musée des Beaux-Arts. Nassib Al-Jaidir. L'émission du Au Musée national des Beaux-Arts, la céramique d'art est à l'honneur. L'association Ayadi El Jazair organise son deuxième salon. Un salon qui rassemble près d'une trentaine de céramistes. Des céramistes d'Alger et des wilayas environnantes qui rendent à cet art ses lettres de noblesse. Des objets d'art exposés, de la passion à partager pour cet art ancestral. Un art revisité dans un salon pour valoriser le métier de céramiste. C'est le second après celui de 2014 au Musée de la miniature, la calligraphie, l'enluminure Mustapha Bacha à la Casbah. Donc c'est un rendez-vous qu'on donne au public en général. Et aux gens qui fréquentent les musées en particulier, parce que c'est une certaine frange de la société. Donc là, on montre le savoir-faire de nos artisans. Il y a un panel assez large de produits qui vont de la céramique, disons basique mais dans le sens artistique, jusqu'à le produit recherché et innovant. Dans cet univers, des formes, de la matière et des couleurs. De la conception à la réalisation, des étapes de travail où l'amour du fait main prend tout son sens. Entre tradition et modernité, des objets d'art dans l'air du temps. Des objets décoratifs ou utilitaires, réalisés en pièces uniques ou produits en petite série. De la précision, de la rigueur dans un métier d'art qui nécessite aussi un grand sens de l'observation. Passion et patience pour arriver au résultat escompté. Je me lance maintenant vers la décoration parce que à l'origine, je faisais les modèles et je suis modéliste à l'origine, maître artisan en céramique et designer. Je faisais les modèles pour les céramistes. Maintenant, on a décidé de nous convertir vers la décoration, c'est-à-dire vers le produit fini. C'est une nouvelle gamme pour nous. Les fontaines, les appliques, bien sûr, on n'a ramené que cela parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace. Dans cet espace dédié à la céramique d'art, un savoir-faire où se mêlent passion et amour du fait main. Chaque œuvre d'art mérite l'attention. Ces exposants ont présenté leur dernière création. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de leur travail et la variété de leur production. C'est la première fois que nous venons en Algérie pour un séjour court de 8 jours. Malgré tout, on a eu le temps de profiter de toutes les beautés artistiques, historiques. Et l'exposition que nous venons de voir présente, j'ai trouvé, énormément de variétés. On a vu plusieurs musées à Oran, à Tlemcen et bien sûr à Alger. On a vu beaucoup de céramiques anciennes, mais là justement, même les céramiques de tradition ont la vivacité de couleurs récentes et surtout beaucoup sont renouvelées, sont manifestent l'art. Et je trouve justement que cet amphore-là manifeste à la fois la tradition dans l'amphore et la modernité dans le fait de la dévoiler à travers un voile de céramique. Donc je trouve cette exposition très belle pour ça, très originale. Ce salon valorise la tradition, la créativité des métiers et des techniques de la céramique.
des métiers de la terre et du feu, où l'on peut innover sans être en rupture avec l'art ancestral. Des métiers qui mettent en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Voilà, Musée des Beaux-Arts, raconté par Nassiba Djaïdir. C'est la deuxième édition du Salon de l'Art et de l'art de la céramique, voilà, pour être plus précis. Et ce matin, sur notre plateau, comme annoncé, on va parler de l'art-thérapie. Alors, la thérapie artistique, ça on en parle avec Hachmi Bouzien. Bienvenue à vous. Vous avez ouvert un centre il y a 2 ans. Votre centre est installé dans 2 lieux différents. On en parle avec vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer un centre de thérapie artistique ? D'art-thérapie. Oui, bonjour. C'est normal, l'art aujourd'hui, ce n'est pas un pinceau ou bien une peinture. Il y a des médiations à caractère artistique, c'est vraiment thérapeutique. L'art, c'est de la thérapie, généralement. À travers, bon, comme je suis un auteur, et j'exerce la matière comme inspecteur de l'éducation à la ville d'Alger, j'ai réalisé quand même des livres et maintenant des ateliers de travail à travers le territoire national. Oui. J'ai trouvé que la société a besoin des techniques artistiques simples. Des bien simples. Artistiques simples. Voilà. Et c'est-à-dire c'est, pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir artiste peintre professionnel, voilà. que la peinture peut toucher tout le monde et qu'elle peut être utilisée à une autre vocation que celle d'exposer, de faire de la peinture artistique seulement. Voilà, c'est une nouvelle technique. Bon, il y a dans le monde l'art-thérapie. Oui. Mais moi, comme peintre et pédagogue, oui, et en même temps, je suis un formateur, j'ai trouvé que l'art, il faut que la société fasse quelque chose à travers les enfants, à la maison. Elle est destinée pour les femmes au foyer. Les gens âgés, les toxicomanes, tout le monde a besoin de l'art. Mais certaines personnes nous ont dit que je ne suis pas capable de peindre quelque chose, je n'ai jamais touché un pinceau. Mais il y a cette technique, c'est une technique de composition à travers des matériaux de récupération. Et surtout la matière que j'utilise, la mousse. La mousse, oui. C'est une matière, voilà, il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est une technique. C'est une technique. Voilà, c'est une technique. Ce qu'on appelle les mixed media. On a un programme, le mixed media. Pourquoi on mixe les techniques ensemble et ça aboutit, ça donne une résultat vraiment importante pour l'adulte, soit enfant, soit homme. Pardon. Alors, d'un seul coup, le patient ou bien l'apprenant, il va vraiment exprimer d'une façon extraordinaire et simple. On donne la confiance de faire un tableau d'une façon magique. J'utilise des supports pédagogiques que je l'ai publiés. Et c'est une nouvelle technique en Algérie. Et surtout, on a choisi des thèmes de patrimoine national, des images qui représentent la société, les villes de l'Algérie. C'est des images, des thèmes de patrimoine, généralement. Alors, la technique, c'est une technique de mixed media, c'est d'assemblage. Pour développer la motricité, par exemple, pour les enfants autistes. C'est un jeu d'art. Comme ce tableau, par exemple, c'est un jeu de composition. Soulevez-le un peu. Ouais, soulevez-le. Voilà. N'ayez pas peur de... Allez. Alors, c'est une composition. Avec des matériaux de récupération. De récupération. Mais la base, c'est la mousse, oui, par exemple. On coupe des formes simples, avec une composition artistique, bien sûr. Oui. Il y a aussi le carton ondulé. Et comment vous définissez, vous, votre composition artistique, c'est-à-dire... C'est moi qui choisis la thématique. C'est un,
C'est un produit, ou bien c'est un support pédagogique oui. d'apprentissage. Je dis bien d'apprentissage. Ok. D'apprentissage appuie l'artiste, ou bien il va se développer après. Il doit choisir d'autres thèmes, mais la méthode de travail, c'est comme ça. D'accord. C'est la manipulation des choses. L'art thérapie, en fin de compte, c'est changer les idées, quoi. Voilà, très bien, justement. Mais il y a, généralement, la thérapie, l'exploration de soi. L'exploration de soi. C'est une exploration de soi, d'abord. D'accord. L'exploration de soi. On va en parler. Vous avez ouvert à Dradia, il y a 2 années. Oui. Quel a été le déclic? Vous l'avez dit, hein, vous êtes inspecteur à l'éducation nationale, dans l'éducation nationale, vous avez une carrière assez longue et assez riche derrière vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de lancer l'art thérapie? C'est quoi? C'est par votre expérience, de par tous les jeunes que vous avez rencontrés, les moins jeunes, les professeurs, les enseignants? Justement. Oui. On a fait beaucoup d'ateliers de peinture et de l'art en général. Oui. Comme je suis dans l'enseignement, la dernière fois, ça fait une année, on a organisé un atelier de travail pour les autistes. Ouais. En collaboration avec le ministère de l'Éducation. On a travaillé avec des autistes d'Alger Centre au COBA, au lycée du COBA, au lycée des mathématiques au COBA. Vraiment, on a pratiquer cette technique avec les autistes, elle donne vraiment un résultat très important. Après, oui. on a commencé de faire beaucoup de choses avec la société, on a travaillé avec la DAS, la direction de la culture, les centres spéciaux, on forme des médecins, des psychologues, des orthophonistes. Voilà, c'est pour tout le monde, c'est une option pour, par exemple, pour les médecins. Oui, ça. Pour les médecins aussi. Oui, les médecins. C'est un outil, quoi. Ça leur permet de. C'est une option. C'est ça. Si vous voulez, un outil ou une option qui permet aux médecins d'avoir une autre approche, une approche différente. Oui. Alors, du coup, vous avez sorti. Là, c'est les tableaux qu'on est en train de voir. C'est des tableaux d'art-thérapie que vous développez d'ailleurs dans vos ateliers, que ce soit. Que ce soit la mosaïque ou la jolie ou le dessin art. De la peinture. Alors vous sortez aussi des alors vous avez sorti des ce qu'on appelle des supports pédagogiques créés et collés. Des supports pédagogiques créés et collés. 16 tableaux professionnels, 8 feuilles de papier mousse couleur. Alors c'est quoi on achète ça et puis à l'intérieur il y a des exemples, c'est ça pour réaliser ça. Oui. On travaille avec. Voilà, c'est des thèmes. C'est ça. Voilà. Il est dessiné pour enfants, mais pour adultes. C'est un mélange. C'est ça. L'approche peut être juste différente, mais autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà. C'est bien, c'est super ça. Alors ça c'est pour la première partie. Alors c'est l'un des supports pédagogiques que vous proposez. Alors 16 tableaux professionnels, 8 feuilles de papier, 8 mousses de couleur. Alors ça vient accompagner forcément. C'est ça la matière. C'est la matière. Mousse. Oui, la mousse. Qui est vendue avec Il existe c'est des libraires. C'est ça. On l'a emporté. Voilà. Ou sinon on peut la retrouver aussi dans le support. Oui, très bien. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis vous avez l'autre 16 modèles là la aussi. La mosaïque art. C'est vous qui les réalisez, hein, réalisé par Bouziane Hachmi. Voilà. Alors mosaïque art, on va les voir un peu. Ça c'est la couverture. Après vous avez ça. C'est quoi? Il faut recouvrir dessus, c'est ça? Oui, justement. C'est un support de travail. Et ce sont des thèmes sociaux, créatifs. Ce sont des thèmes pour enfants et pour adultes. C'est ça. Donc, on réalise ça, en réalité, hop, oh, le canard, il est dans ce sens. Voilà. Très bien. On va réaliser. Quand tu fais de la télé, que tu regardes la caméra, c'est autre chose. Hein. La perception est différente. Alors, du coup, et après, le résultat, ça va être ça. Voilà, très bien. C'est ça. Voilà. Ah bah oui, on fait du collage dessus. En 3D, en relief. C'est ça, parce que c'est de la mousse, tout ça. Hein. On travaille, justement. C'est la manipulation, c'est pour développer la motricité. Oui.
surtout, et la créativité et l'imagination. Voilà, et il faut savoir une chose, en dessous, il y a les fameux tableaux exemples en papier, et puis on fait du collage dessus. Oui. C'est bien, ça marche. Vous avez beaucoup de passion? Enfin, passion, oui. Non, attends. Oui, justement. Vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir? Oui, justement. C'est spécialement les gens stressés, les gens qui sont mal, qui ont des anomalies. Mais est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui? Oui. Oui, ils sont nombreux. Oui, oui, ouais. Justement. Votre centre compte stressés. Combien d'adhérents? Votre centre, il combien d'adhérents? Bon, justement, pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui ont qui ont des difficultés. Oui. Mais nous, on forme, pour la première fois, c'est pour les formateurs. On forme les formateurs, d'abord. C'est cela. Et les formateurs qui ensuite se retrouvent où? Dans des écoles privées, des centres, des associations, des centres spéciaux, des enseignants, d'accord. Tout le monde. C'est pour les pauvres, bah oui, forcément, le préscolaire, les crèches, les maternelles et autres. Oui, effectivement. Ouais. Alors du coup, les sessions, comment savoir quand est-ce que se tient une session ou pas? Une session de 3 heures, 2 fois par semaine. Ah, elles sont régulières, vos sessions? Oui, justement. D'accord. Donc, du coup... Il y a d'autres techniques, justement, ça c'est une technique. Ça, c'est une technique. Oui, mais c'est une. Il y a d'autres techniques. Et ça, c'est une petite émission. Donc, voilà. Du coup, on ne peut aborder qu'une technique, en réalité. La prochaine fois, on abordera d'autres techniques, si vous le permettez. Voilà. Ça ajoutera du moulin, de l'eau à notre moulin, j'allais dire, du moulin à notre eau. Oui, ça peut être le cas. Alors, mais c'est très bien, c'est super. Mais bon, juste pour résumer, c'est-à-dire, vous formez des formateurs qui sont des professionnels de la santé, de l'éducation, des formateurs. Hop, c'est bien. C'est très bien, ça profite à d'autres personnes. Mais ceux qui ne sont pas formateurs, qui ne veulent pas devenir formateurs et qui veulent juste pouvoir pratiquer, s'amuser un peu, changer les idées, se sentir mieux, se libérer d'un stress, est-ce qu'ils peuvent venir aussi s'inscrire dans votre école? Oui, et effectivement, cette approche, elle est basée on ne demande pas, on n'exige pas un talent artistique particulier. Justement, c'est pour tout le monde. Et tout le monde peut faire ça. On a vraiment des expériences. Il y a des gens qui ne sont pas spécialisés en art. Oui. Ils ont vraiment créé des tableaux magnifiques. C'est ça. Mais c'est quand? Ça se passe quand, ça? Ça se passe dans tout le temps. Votre centre est ouvert toute la semaine? Oui, tout le temps. Les week-ends. Oui, surtout. Principalement, j'imagine, le week-end, mardi. Mardi, même les vendredis. Bah oui, vendredi. Oui, justement. Oui, l'aberration de fermer les musées le vendredi ou les espaces de loisirs, c'est une bêtise. Hein, c'est pas... Justement. Oui. Alors du coup, juste pour savoir, donc, Dralia Ben Aknoun, vous avez une page Facebook? Oui, Bouziane Hachmi. Oui. Facebook directement, vous écrivez Bouziane Hachmi directement, vous aurez la page Bouziane Hachmi Art Thérapie. Art Thérapie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, vous êtes très gentil. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Moi-même. Vous reviendrez? Bien sûr. Ouais, ça va, c'est bien passé. Avec plusieurs techniques. Avec plusieurs techniques. Bah, à chaque fois, on peut aborder une technique, vous savez. Non, ce sont des techniques. On a le temps, je veux dire. Ouais. La vie est longue. Après, si Dieu nous ôte la vie, il y en aura d'autres qui parleront à notre place. Mais ne nous pressons pas. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Créer et coller 16 tableaux professionnels, 8 feuilles de papier, mousse couleur, réalisé par Bouziane Hachmi. Ça, c'est les supports pédagogiques disponibles dans les librairies? Oui, ils sont disponibles. Voilà, c'est l'essentiel. Le reste, ça commence par là. Tu choisis un modèle, on va dire celui-là, et puis tu finis en collant dessus de la mousse. Ça te change ta journée, puis ça te change des idées aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Hachmi. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, c'est très bien ce que vous faites et on vous souhaite encore plus de succès. Merci beaucoup. Quant à nous, on part du côté du Mont Chélia à découvrir avec qui? Avec Rahim Abdelaziz. On se retrouve juste après sur Canal pour parler cette fois-ci d'escrime. Des monts des Oulet Yaqoub, on traverse la pinette de Temza. De loin, se profilent les imposants massifs forestiers du Chélia. Des hautes plaines de Bouhmama,
surgit le mont du Chélia et ses luxuriantes forêts de cèdres de l'Atlas. Ras Keltoun, ou le pic du Chélia, culmine à plus de 2300 mètres d'altitude. Pour le massif de Chélia et Ouled Yaqoub, c'est une continuité. Donc, c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Chélia, c'est les mêmes espèces qu'on trouve à Ouled Yaqoub. Donc, c'est une continuité naturelle. Chélia et Ouled Yaqoub sont d'importants massifs forestiers. Le patrimoine forestier il est estimé à 146 000 hectares à travers les massifs de la Wilaya. C'est essentiellement une pinède, je pourrais dire de 85%, plus 15% de cédrés, plus d'autres espèces accompagnatrices comme des espèces rares et endémiques comme le genévrier, comme l'érable, comme le if. En altitude, le cèdre s'associe à des reliques glaciaires. Le cèdre se densifie au niveau des ravins et ravines. Le faciès nord du Chélia est mieux fourni en cèdre. Le Chélia abrite aussi du genévrier thurifère. Ce résineux multicentenaire affectionne la haute altitude. Le mont Chélia raconté par Rahim Abdelaziz. Vous connaissez le mont Chélia? Vous connaissez ou pas? Oui. Vous avez déjà été? Non. Non, non. Non. D'accord. C'est pas grave. Vous avez fait autre chose? Ouais. Oui. C'est stressé? Non, non. Si? Non. Un peu quand même. Ah bon? Ah oui, je le sens. J'ai l'habitude. Vous avez l'habitude? Oui. Bon, ça, quoi. Vous faites de la télé, de la radio normale? Si, si. Ouais. Bienvenue à vous, Houssine Amzian, vous êtes vice-président de la Fédération Algérienne d'Escrime. Vous ferez l'actualité les deux prochaines semaines en tant que fédération avec la tenue en Algérie de deux Coupes du Monde. Alors la Coupe du Monde du Sabre, messieurs, ça se passe aujourd'hui, demain et après-demain, 16, 17 et 18. Et puis la semaine prochaine, le week-end prochain, le fleuret féminin, 24, 25, 26 sur 3 jours. On va en parler, tout est prêt aujourd'hui. Bonjour Mohalez, d'abord, et bonjour bienvenue à vous. Bien, donc pour la Coupe du Monde sabre masculin, oui. C'est du 16 au 18 au niveau de la salle Harcha, ça commence aujourd'hui à partir de 11h. Oui, oui tout est prêt, donc on a l'habitude. Pour le fleuret féminin, ça fait la 5e édition, et pour le sabre masculin, c'est la 2e édition consécutive. Donc pour aujourd'hui... Ça deuxième comme... édition consécutive, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire l'édition passée, c'était la dernière année, en 2017. En Algérie toujours. En Algérie toujours, oui. Oui. C'est l'étape Algérie. Il faut savoir qu'au sabre masculin ou bien au fleuret féminin, oui. On a 8 étapes. Donc la première étape, la première Coupe du Monde, c'est l'étape d'Alger. Oui. Donc c'est la première étape pour le sabre masculin, c'est aujourd'hui. Et après, ça va où? Et ça va, bon, c'est un peu partout dans le monde. Donc c'est Paris, Moscou, donc il y en a plusieurs. C'est quoi plusieurs? C'est des étapes en fin de compte. C'est des étapes et c'est-à-dire il faut acquérir le maximum de points pour. C'est comme l'athlétisme. Donc il y a. C'est la Golden League, quoi. Et ouais, on peut dire ça. C'est la Golden League, mais par équipe. C'est individuel et par équipe. C'est à l'individuel et par équipe. Voilà. Ouais. C'est sur les 8 étapes, donc on a le maximum de points pour être ça de la première place au Coupe du Monde. D'accord. Combien d'athlètes engagés? On a 161 athlètes et 31 pays.
On parle du on sabre parle masculin. Du sabre masculin. Ouais. On parle pas encore des masculins. Oui. Les femmes, on aura l'occasion de se retrouver vendredi prochain, on en parlera. Oui, exactement. Là, on détaille un peu sur le sabre masculin. Ça se passe donc où, à partir d'aujourd'hui, accès gratuit, bien sûr. J'imagine. Ça se passe à la salle, salle Harsha. Vous avez parlé de 161 athlètes qui prennent part à ce rendez-vous. Combien de pays ? 31 pays. 31 pays. Et bien sûr, parmi eux, les 16 premiers, donc le champion du monde, le champion olympique. C'est une, autre, c'est une étape obligatoire pour garder la suprématie, pour ah oui, pouvoir oui, aspirer pour avoir, à devenir le exactement, champion du monde. Exactement, pour acquérir le maximum de points. Donc, il faut passer par toutes les étapes. Donc, ouais. Celui qui est... Aucun pays ne nous a boudés Par défaut, par c'est-à-dire le problème de visa, etc. Bon, mais la majorité des pays, la Russie, le Japon, la France, les États-Unis, enfin la Russie, etc. Donc la majorité des pays sont présents dans cette étape d'Alger. Combien d'athlètes algériens engagés au sabre masculin ? Au sabre masculin, on a 5 athlètes. Oui. On a un senior, parce que c'est une étape, enfin c'est une compétition senior, on a un senior et 4 juniors. Oui. Ben, ils sont bons, nos juniors C'est une étape, pour eux, c'est une préparation. Donc ils peuvent, dans le premier tour, il faut savoir qu'on escrime, il y a d'abord le premier tour qui est tour de poule, et puis il y a élimination directe. Donc si... il faut avoir maximum de victoires dans le système de poule pour accéder à l'élimination directe. On est bon en sabre Oui, à l'échelle continentale, à l'échelle africaine, on est bon. Oui. À l'échelle mondiale, il faut, c'est le... C'est quoi, c'est un c'est moyen ou c'est pas dans nos gènes? Non, c'est pas question de gènes, c'est question de moyens, question de compétition. Donc, par exemple, en senior, là, il y a les 8 étapes, mais il y a le Grand Prix, il y a les challenges un peu partout. Bon, pour nous, on fait quelques compétitions à l'étranger. Donc, l'escrime, c'est presque chaque semaine, il y a une compétition. Donc, on n'a pas les moyens de faire toutes les compétitions dans le monde. Pourquoi? C'est un manque d'espace? Non, c'est de pas... lieu dédié? Non, c'est pas lieu, c'est que question de finances. On ne peut pas faire un déplacement chaque semaine, chaque 2 semaines. La fédération n'a pas les moyens de faire tous les compétitions dans le monde. Et puis, par rapport à ça, on ne peut pas avoir un très très bon niveau. Et il faut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup de sparring partners, on n'a pas beaucoup d'escrimeurs de haut niveau. Quand on voit par exemple les Égyptiens ou les Tunisiens, par exemple, ou même les Français, etc., donc ils sont tout le temps à l'étranger, tout le temps faire des stages à l'étranger, en présence. On est encore au stade du privilège quand il s'agit d'un stage à l'étranger? Non, c'est pas... fédération, hein. Non, c'est pas une question de privilège, c'est une question de moyens. On n'a pas les moyens, c'est tout. On a le savoir-faire, on a des jeunes, surtout. C'est ça, donc on est dans le système du privilège. C'est pas au sens s'il y a des gens privilégiés par rapport à d'autres, c'est au sens où quand il y a un stage qui émane et qui est proposé à un athlète, ça reste, oh mon Dieu, il a un stage à l'étranger, quoi. C'est de ça que je parlais. Ouais. C'est fou, hein. On a beaucoup de licenciés en Algérie, en escrime. Oui, on a... Il faut dire qu'on a à peu près 1000 licenciés. 1000 hein. Oui. Sur le territoire national, 1000. Oui. C'est un on sport a 5 ligues, on a 5 ligues. Oui, on a 5. Bon, c'est vrai qu'on manque de moyens, mais ouais. Au niveau d'Alger, par exemple, il y en a plus de 500, 600 licenciés. Ouais. Et il y a la ligue d'Oran, la ligue de Sétif, de Annaba, de ouais. Belabès. Donc on a à peu près 5 ligues et... Qu'est-ce qui manque en fin de compte pour relancer la machine? Ah ben c'est le... C'est le débat actuellement, hein, c'est le débat. Alors tout le monde se mêle de tout, le ministre qui entend le travail des fédérations qui répondent au ministre, après on ne sait pas si c'est les professionnels du sport qui devraient prendre la parole, est-ce que c'est les techniciens de terrain, est-ce que c'est les athlètes eux-mêmes. Alors c'est un gros... Et puis on tourne ça à toutes les sauces et puis on dit le sport va mal mais personne ne propose de solution. Alors, c'est oui, tout le monde est parle, bien pour ça, dire que le sport va mal. Ça parle, mais généralement, il faut faire des assises, il faut écouter les athlètes, les entraîneurs, les techniciens. Bon, par exemple, en escrime, notre premier ennemi, c'est quoi? C'est le matériel. Le matériel, il fait très très cher. Donc, un athlète, on peut facilement, le matériel d'un athlète, c'est à peu près 2000 euros, 1500 euros à 2000 euros. Donc, si on imagine à une telle ou telle région, donc on a à peu près 200 à 300 licenciés,
Actuellement, même à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez 10 000 licenciés, vous ne pourriez pas faire vous pourriez rien faire, quoi. Oui, en fait, on se battra avec des bouts de bois, De l'initiation, Oui. Ouais, c'est fou. Actuellement, hein. Oui, bien sûr. Et comment on veut faire émerger une discipline quand on ne met pas les moyens? Il faut des moyens. Il faut mais l'argent, il vient d'où à la fédération? La fédération, c'est le ministère. C'est le ministère. C'est le ministère qui peut vous attribuer des budgets. Pardon? C'est le ministère qui devrait attribuer des budgets à la fédération. Oui, plus les sponsors, mais même les sponsors, c'est pas... Ils jouent pas le jeu? Non, ils jouent le jeu, on a des sponsors... Pour la Coupe du Monde, oui. Pour la Coupe du Monde, oui. Ouais, mais au quotidien, pour les petits championnats? Au quotidien, pour la fédération aussi, bon, on a, c'est-à-dire le budget, il n'est pas conséquent. Mais, par exemple, au niveau des ligues, c'est les DGS. Bon, même les DGS, ils ne jouent pas leur rôle, donc c'est une... C'est quoi, c'est une question d'argent, là, aussi? Oui, bien sûr, c'est une question d'argent, question de moyens. Mais si vous posez la question à la DGS, ils vous diront, la centrale ne nous a pas envoyé d'argent pour nous-mêmes le reverser à d'autres. Ah, c'est un cercle. C'était un cercle, oui. C'est quoi le pays, l'un des meilleurs pays en escrime? Sud, hein. Version sud de la planète, pas version occidentale des pays riches. Vous allez me parler de la France, vous allez me parler de toutes ces grandes nations. Oui, mais je parle de ceux qui viennent de l'hémisphère sud. Vous avez vu l'Algérie? Vous prenez la carte du monde et puis vous descendez comme ça. Quels sont les pays qui marchent le plus? Bon, après, vous avez des pays du sud qui vont bien aussi. Hein, Il y a l'Égypte. Ils sont bons. Est-ce qu'on a essayé de regarder ce que fait l'Égypte? Je pose vraiment des questions. Hein. Je pose des questions. Je ne suis ni un donneur de leçons, un moralisateur, ni... j'aime bien piquer parce que sinon, on prend une blonde à ma place et puis met la présenter l'émission. mais sinon, c'est ça le truc. Est-ce qu'on a déjà regardé le cas égyptien? Qu'est-ce qui marche? Ils sont vous n'allez pas dire que l'Égypte est plus riche que l'Algérie, on va dire que c'est un pays émergent comme nous, qu'ils ont leurs difficultés que nous avons les nôtres. Qu'est-ce qui fait qu'eux émergent dans ça et pas nous? Qu'est-ce qui fait qu'eux ne parleront sûrement pas, vu leurs athlètes et les podiums qu'ils font à l'international, ne diront sûrement pas, oui, on n'a que 1000 athlètes, et puis on n'a pas les moyens, et puis le matériel, ça coûte cher. C'est-à-dire, question de niveau, bon... C'est vrai que même nous, chez les petites catégories, on a très bons résultats. D'ailleurs, les derniers Jeux africains, on a eu la première place. On a eu la première place par rapport à l'Égypte. Oui. Et surtout, bon, pour eux, surtout, c'est des licenciés qui ont des bourses à l'étranger, c'est tout. Mais chez les jeunes, on a les meilleurs résultats. On a les meilleurs résultats chez les jeunes. Ouais. Mais pour continuer à travailler, pour avoir le bon niveau, enfin le haut niveau, donc il faut avoir les moyens, il faut faire beaucoup de stages, beaucoup de compétitions, bien sûr travailler avec aussi des grands entraîneurs, parce que le haut niveau c'est la qualité aussi des grands entraîneurs. La qualité des grands entraîneurs. D'accord. Bon. On ne va pas être fataliste. On se souhaite bonne chance. Merci. Nassar Harcha, on espère qu'il y a un maximum de monde, qu'il y a un maximum de public. Bon, on a fait quand même publicité à travers les réseaux sociaux, à travers notre site de la fédération. Donc j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. D'ailleurs, par rapport à ces étapes, on a beaucoup de jeunes qui veulent pratiquer ce sport, et surtout avec le direct de... que ce soit à Canal Algérie ou pendant 2 heures ou 3 heures. Donc au moins les jeunes et nos téléspectateurs et les sportifs peuvent avoir une idée sur ce sport noble. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pratiquer ce sport. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, vous revenez? Inch'Allah. Si vous croisez quelqu'un qui vous a dit qu'est-ce qu'il s'est permis, il ne connaît rien à l'escrime, dites-lui qu'il connaît une seule règle, comme tous les Algériens, médaille. Médaille. Donne-moi médaille ou moi fermer ma bouche. Pas donner médaille, nous ouvrir la bouche. Et en espérant une chose, je vous souhaite surtout une chose, d'avoir ne serait-ce que 2 à 3% du budget du football. Oui, je suis sûr que vous pourriez... Exactement. C'est pas que l'escrime, il y a plusieurs disciplines. Oui, non, mais je vous rassure, je ne vous le dis pas qu'à vous, je l'ai dit à l'athlétisme. Et j'y tiens particulièrement.
Et j'ai continué à le dire au judo, et je continuerai à le dire aux gens de la boxe, exactement, et je continuerai exactement à le dire jusqu'à ce que ça agace un peu. Hey, juste la petite parenthèse sur les blondes. Hey, je ne parlais pas de ma grande copine Amel Aoumi, forcément. Hey, je l'adore, moi, Amel. Amel, c'est quoi? C'est une grande sœur pour nous, et c'est l'une des plus grandes professionnelles. C'est notre locomotive ici sur Canal. Hein, et j'embrasse aussi Radia. Voilà. Ça, c'est quand tu fais un truc, une blague, et que les gens disent attention, ça peut être lui. Alors, du coup, je préfère dissiper toute fausse lecture. Merci encore. On rappelle, aujourd'hui, demain et après-demain, ça se passe à la salle Harsha. Allez-y, le spectacle est beau. Pas que pour encourager l'Algérie. Oui, il faut encourager les athlètes algériens. Mais il y a aussi donc une trentaine de pays, 160 athlètes, 161 pour être plus précis. Et puis, c'est un beau spectacle avant tout. Et ça peut donner envie à certains, en allant voir cela, de pratiquer peut-être et d'initier leurs enfants aussi, peut-être. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Hossein Amzien, vice-président de la Fédération algérienne d'escrime. Vous étiez ce matin sur notre plateau pour parler donc de cette compétition. Allez, quant à nous, on continue notre escapade, si vous le permettez, avec sans plus tarder un reportage sur la célébration du 800e anniversaire de l'Université Salamanca d'Espagne. Et ça a été célébré d'ailleurs à l'Université Alger 3. L'événement a été organisé par l'ambassade d'Espagne, par l'Institut Cervantes, mais pas que, et par l'Université Alger 3. C'est parti, c'est Yazid Ekmahedine qui a été sur place. Nous, on se retrouve juste après. También à la création de... L'Université Salamanca. 800 ans d'existence, un anniversaire fêté par les étudiants de la faculté du journalisme d'Alger. L'université Salamanca, qui a accueilli dans le passé des monuments de la culture universelle, Christophe Colomb et Miguel de Cervantes, cette étudiante de l'université de Sidi Bel Abbès a été marquée par la réussite de son stage au sein de l'université Salamanca. Mon stage effectué de 20 mai 2016 au 17 juin 2016 à Faculté des sciences, département de physique appliquée, Université de Salamanca, Espagne, donc spécialement au laboratoire NanoLab. Ma visite est donc le laboratoire. Il y a deux groupes, le groupe nanotechnologie et le groupe nanoélectronique. Le groupe nanoélectronique, c'est le groupe qui nous a accueillis, avec qui on a travaillé pendant notre stage. Donc le matériel existant au sein du laboratoire nous a permis de faire des caractérisations électriques de type courant tension, capacité tension, donc des transistors RIM. 107 accords de coopération lient l'Algérie à l'Espagne, dont un ouvre les pistes de partenariat et d'échange entre l'Université 3 d'Alger et l'Université de Salamanca. Nous avons plus, les universités espagnoles ont plus de 100 accords de coopération qui sont signés. L'échange de professeurs et d'experts entre les deux universités est extrêmement important. Et l'année prochaine, en 2019, on va célébrer une nouvelle réunion de la conférence des recteurs de l'université algérienne espagnole. Nous allons le célébrer ici en Algérie. La coopération entre les universités algériennes et l'université de Salamanque est axée sur plusieurs registres. Premièrement, il y a le cadre d'échange destiné aux professeurs et aux étudiants. Deuxièmement, c'est la promotion de la langue espagnole. Vous savez bien que la première grammaire espagnole fut écrite à Salamanque. Troisièmement, il est question de développer le département de la langue arabe. Quatrièmement, notre université travaille sur les aspects liés au constitutionnalisme. Nous allons d'ailleurs célébrer le 40e anniversaire de la Constitution espagnole. Nous avons signé un accord depuis deux ans avec l'université Salamanca, qui est l'une des universités les plus anciennes en Europe. Un grand pôle d'excellence, nous entretenant un programme riche dans le domaine des échanges scientifiques et culturels. L'université Salamanca, la UNA dans le monde hispanique, un modèle de réussite et d'excellence, investit aujourd'hui le monde du futur et de l'innovation. Touchez pas tout court, ça va être plus simple. Ok. C'est bon ? C'est bon. Ça va aller. On va brûler le plateau aujourd'hui. Tiens, allez, c'était Yazid Ekmahedine qui nous parlait donc de la célébration du 800e anniversaire de l'Université Salamanca.
Salamanca d'Espagne, et ça a été célébré d'ailleurs à Alger 3, l'université Alger 3, organisée par l'ambassade d'Espagne, par l'Institut Cervantes et par l'université d'Alger 3, évidemment. Et quant à nous, ce matin, on va faire notre dernière ligne droite où on va parler poésie et artisanat. Poésie d'abord avec, tiens, une fois n'est pas coutume, on va commencer par vous, parce que vous avez la loi du nombre, et forcément on commence par les minorités, et aujourd'hui vous êtes en minorité, cher ami. Alors il s'agit de Hamid Wildedra. Bonjour. Hamid Wildedra. Voilà, merci beaucoup de confirmer votre nom, ça me fait plaisir. Bienvenue à vous. Alors vous, vous êtes artiste-poète, et vous êtes là pour partager avec nous une chanson, pour partager en tout cas avec l'ensemble des téléspectateurs une chanson que vous vouliez faire découvrir. Aussi, les artisanes du jour, elles vont prendre part à deux événements. Le marché du Maulid, c'est un peu le marché de Noël, mais version musulman. Alors ça se passe du 15 au 19, ça a déjà commencé. Ça se passe du côté de Riyad el-Feth, avec nous pour en parler, Siham Saidi. Alors vous, vous êtes artisane dans la poterie, bienvenue à vous. Merci. Nabila Hawam, bienvenue à vous. Alors bonjour. Vous, votre dada, c'est les bougies. Oui. Et de l'autre côté, nous avons Sonia Aoudjan, vous, c'est le bijou. Le bijou. Bienvenue, merci. Mesdames. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors d'abord, le marché du Mouloud, donc à Riyad el-Feth, et on enchaînera juste après avec un autre marché, c'est absolument le même concept, mais en même temps, ça change de nom. Ça va au Palais de la Culture cette fois-ci, c'est du 20 au 24 novembre, au Palais de la Culture, Al-Badr. Voilà. C'est organisé par qui, les deux événements? Alors, c'est organisé par Empire Event. Hein? Empire Event. D'accord, ok. Voilà, c'est Madame Orif. D'accord. Et moi-même. Ah, super. Je suis collaboratrice. Oui. Et en même temps, je suis artisane. Ça tombe bien. Voilà. C'est mon domaine, c'est normal. Alors, ouais. On a pensé à organiser un événement par rapport au Mouloud, vu qu'à l'étranger, les gens font le marché du Mouloud, justement, du Noël. Bah oui, nous, pourquoi pas, en faire pourquoi un point. Pas, on va voir notre propre marché à nous, du Mouloud. On a pensé, c'est parti. En plus, on a pratiquement les mêmes rituels, sauf avec notre spiritualité, mais c'est-à-dire le dîner, les retrouvailles, le partage. On voulait que ce soit un rendez-vous annuel, un rendez-vous des Algérois. Oui. C'est la première édition. On a pensé à faire dans deux endroits différents pendant 10 jours. C'est bien. On a la première partie, c'est le marché du Mouloud, qui se déroule, on a commencé hier, qui se déroule à Riyad el-Feth. Pendant 5 jours, ça a commencé hier et ça se termine le 19 du mois. Et on enchaînera avec 5 jours au Palais de la Culture. Ça va être, c'est un enchaînement, mais ça va être El Badr. Oui. Ça va être El Badr. Pourquoi avoir changé El Badr, parce que déjà, si vous avez vu l'affiche de l'événement, c'est en forme de Badr. Oui. C'est la forme d'un œuf. Et puis c'est Al-Badr, c'est une poterie des Bachas. Bachas, les potiers sont connus. On a choisi une poterie des Bachas, elle est sculptée en même temps avec des lumières. C'est par rapport à Al-Badr, c'est par rapport au Nour, al-Rasoul alayhi salatu salam. On disait Al-Badr, tala Al-Badr alayna. C'était par rapport à ça qu'on on a donné le nom Al-Badr pour l'événement du Palais de la Culture. On ne peut être plus clair. Exact. Alors du coup, l'artisanat, donc avec la poterie, avec les bougies, avec les bijoux. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous allez faire un tour ou pas? Comment? Vous allez faire un tour ou pas? Voilà, bon. Au oui, salon ouais. Oui. Enfin, au salon, au marché. Oui. Vous avez un rituel particulier pour le Mouloud, vous? Non. Non. Non, bon. Je m'excuse. Vous fêtez le Mouloud d'une manière particulière? Oui. Oui, en quelques mots. Oui, alors en quelques mots, en famille, oui. Histoire de se rappeler aussi les valeurs de l'islam, les valeurs de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis c'est l'occasion aussi de se retrouver surtout en famille, c'est surtout ça. Oui. Oui, pareil, en famille, autour d'un repas, on allume des bougies. Oui. Voilà, que vous achetez chez votre copine? Pas encore. Cette année. Cette année. En général, faut la gabre, comme on dit, le dernier jour. C'est là où elle fait des rabais, quoi. C'est là où on offre. C'est là où on liquide. Ouais. On dit attends, j'ai pas chargé la voiture, moi je vais pas me taper un transport de plus. Mais c'est très bien. On va parler de ce que vous faites, si vous le permettez, dans quelques instants. Mais juste avant, je commencerai un peu par vous. Alors la poésie, vous, ça fait combien d'années tout ça? Moi, je suis depuis mon enfance. Je suis
Je fais la chanson, oui. Et même la poésie aussi. Et ça va de pair, quoi, c'est chanson, poésie, forcément. C'est-à-dire, je fais la poésie, c'est pour cette nouvelle génération. Oui. Voilà, je suis un poète. Quel type de texte, vous parlez de quoi dans vos chansons ou dans vos textes de poésie? Comment? Parce que j'ai un poète qui est, je crois que ça va y aller. Le poète que j'ai, c'est Cher. كان حلم في ليلة من ليالي نشعر على الجزائر ونكتب والدموع نزلة من عينية على أمنا الجزائر اللي عزيزة عليكم حتى نتان ابنها وعزيزة عليا من يحس لهذا الشعر إلا الإنسان اللي كان مخلص لها وعنده روح الوطنية حلمت حلم بأمي الجزائر حلمت حلم بأمي الجزائر تكلمني أنا نعتذر لها وهي ترد عليا في وسط الحلم قالت لي أمنا الجزائر أنا أمكم الجزائر أنا أمكم الجزائر ما عندكم أم من غيري جدودكم خلوني أمانة بين يديكم وخلوا لكم عليا الوصية أجيال مني رايحة وجيال لي جاية أنتم تفناو أنا أمكم الجزائر نبقى هي سي جولي سي با مال. Vous en avez pensé quoi? On fait jury de la nouvelle star. C'est touchant. Alors on va voir un extrait d'une chanson à vous. Comment? On va suivre un extrait d'une chanson à vous. J'ai pas pu. Vous allez voir à l'image, vous allez vous reconnaître. Ouais. Je vous rassure. Allons-y, on se retrouve juste après. شهيد بن مهدي وبن ذو العيد مليون ونص شهيد بن مهدي وبن ذو العيد حسيبة بن وعلي علي بطن تزابنا حسيبة بن وعلي علي بطن تزابنا يا أرض الجزائر يا عزيز علينا حكمتي تتم أرواح أهلنا يا أرض الجزائر يا عزيز علينا لكن بدي تلقوا أرواح أهلنا بحط عليك رجال اللي زعصوا الجبال بحط عليك رجال اللي زعصوا الجبال واللي بترفعوا البركان على فرصة قائمة واللي بترفعوا البركان على فرصة قائمة Ça, c'était un extrait d'une de vos chansons, et oui. Elle tombe très bien avec le mois de novembre, le mois du patriotisme, le mois de la mémoire, le mois du partage de l'histoire, le mois de 54, forcément, le 1er novembre 54. En tout cas, merci de nous honorer de votre présence, on l'aura compris, l'Algérie, vous la portez dans votre cœur, vous êtes un patriote avant tout. Alors du coup, ce matin, ce qu'on va faire, on va suivre un reportage sur vous. Bah oui. Oui. Ah bah oui. Et vous savez, Kariat El Fett, il y a eu un concert hier. Vous avez fait un tour ou pas? C'est Jamil. C'est ça. Oui, c'est son album. Oui. Non, on n'a pas eu le temps. Pourquoi? C'est le soir. On était occupé. C'était la charge du travail. On a plus. Vous pouvez y aller ce soir, c'est la troisième date. Oui, c'est la troisième. Oui, oui. Troisième et dernière. D'ailleurs, après, je vous redonne les rendez-vous pour ceux qui nous regardent. En plus, ça, c'est gratuit. Allez, du coup, nous, on va suivre ce reportage. Samia Bouaroud, elle a été à ce marché du Mouloud. Ça se passe à Rio de Fête. Super lieu, super parking, super expo. On y va avec elle. C'est au cœur de Riyad El Fateh que le marché du Maulid Nabawi Sharif a été installé, offrant aux visiteurs des décors authentiques et des saveurs bien de chez nous, comme cette rada autour du sni ou encore ces friandises qui orneront certainement bien vos tables pour la veillée du Mouloud. Oui, j'ai fait un packaging spécial Mouloud. On peut offrir voilà, dans des sucriers comme ça. Donc ça peut servir, la personne garde l'emballage et mange ce qu'il y a dedans. Le Maulid Nabawi Sharif, une occasion aussi pour rappeler les valeurs humaines nobles de l'islam et la solidarité avec autrui, le cas de cette association caritative. Nous occupons surtout des enfants handicapés, des familles démunies. Et tout ce que vous avez ici, c'est fait par les artisans de l'association, les adhérents de l'association.
Et tout ce que nous vendons, tout ce qu'on vend, c'est pour acheter tout ce dont ont besoin les familles démunies, les enfants handicapés, à savoir fauteuils roulants, couches et tout ce qui s'ensuit. Ce marché fraîchement inauguré commence déjà à susciter l'intérêt des visiteurs, certains même émerveillés par l'originalité des produits exposés. C'est très créatif, c'est très beau. Là, les chocolats, on n'a pas envie de les manger, on a plutôt envie de les décorer avec, c'est très joli. C'est justement ça qui va m'inspirer. J'ai encore rien préparé, dès que j'y ai pensé, je dis tiens, je vais aller faire le tour. Et certainement que je vais trouver des tas de choses, des bougies, des noëlettes, des chocolats. Le mouloud d'avant, ce n'était pas des pétards. Il y avait d'autres moyens pour passer un bon mouloud. Ah ben, il y avait des chemins, des bougies, noëlettes, etc. Plusieurs artisans et artisanes venus de plusieurs régions d'Algérie se sont regroupés dans cet espace dédié aussi à la valorisation du patrimoine. Pour le mouloud, c'était le maïdan. J'ai fait le Meïda avec mon style à moi, avec des couleurs assez vives. Voilà. Et puis, dans l'art musulman, j'ai repris le Lawha al-Qur'aniya, de la Madrasa al-Qur'aniya, avec des couleurs différentes. Voilà, parce que ça fait partie de notre art musulman et notre art mauresque. Loin des bruits des pétards, place à la convivialité et aux flammes douces des bougies, au tesbih, à la lecture du Coran et la sira nabawiya de notre prophète, que le salut soit sur lui. Voilà, alors... C'est bien. Vous savez, je vous ai dit, moi, d'être avec les femmes, c'est pas bon. Ça part en vrai au bout de 5 minutes. Après, on parle de tout, quoi. Alors, du coup, on revient à notre plateau. Hamid Ouddadra, vous êtes toujours avec nous. Et d'ailleurs, vous allez découvrir un univers, c'est le marché, c'est le fameux marché. Alors, ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est Hamsaidi, Nabila Hawam et Sonia Awojan. Alors, du coup, ce qu'on disait, c'est que ça va se dérouler sur 10 jours, on l'aura compris, 5 jours à l'Eid el-Fitr. C'est le top départ depuis hier déjà. Exactement. Ça continue jusqu'à. Au palais. Jusqu'au Mouloud. Hein. Mouloud, oui, c'est quand, on va fêter justement le jour du Mouloud. Le 20, ça va être l'ouverture au palais de la culture. Ça va être animé, ça va être. C'est super. Il y aura une association de millénaires. Le jour du Mouloud, c'est le mardi. La veille, le mardi. La veille, c'est l'Eid el-Mouloud. L'Eid el-Mouloud. Bien, nous, on va faire. Vous vendez des pétards aussi? Ah non. Chez God, c'était interdit. Juste pour ouvrir la parenthèse, sensibiliser encore une fois. Arrêtez de jeter votre argent par les fenêtres. Il y a tellement mieux à acheter pour moins cher des fois. Pour vous dire. Alors du coup, on va faire le petit tour de table. Hamsaidi, alors vous, c'est la poterie depuis combien d'années? J'ai pas compté. Ouais. Vous avez toujours fait que de la poterie? Vous avez eu d'autres métiers à côté? Non, je suis comptable de formation. Ah ouais, quand même. Vous continuez à être comptable? Non. J'ai arrêté. Au bout d'un moment, les chiffres, les calculettes, et ce qui va avec. Oui. Et vous consacrez à la poterie. Oui. Vous avez appris toute seule ou vous êtes passée par une école? Autodidacte. Toute seule. Oui, toute seule. Et aujourd'hui, vous avez votre atelier? Chez moi. Chez où? Dans la cuisine? Non. C'est-à-dire un coup, on fait du pain, un coup dans le four, on transforme. Non, c'est pas la cuisine. C'est le salon. Ah, c'est le salon? J'ai squatté le salon. D'accord. Ça doit être agréable de vivre avec vous. Ouais, je peux voir un match? Non. Non, j'ai une pièce. Non. Du coup, vous exposez, vous faites que de l'exposition ou vous avez une boutique aussi? J'ai pas de boutique, j'ai quelques points de vente, c'est aussi. Vous avez entendu parler de l'histoire du marché du 1er mai? Le fameux 1er mai, des fameuses galeries qui ont été transformées à des artisans. Ah oui, c'est les petites boutiques. C'est non, ça. Non, ça vous intéresse pas? C'est pas votre truc? Ça vous m'intéresse pas. Vous préférez faire des expos, tourner? Oui, c'est mieux. D'exposer dans des lieux où on est sûr de recevoir du monde, du beau monde, voilà. Ouais. On a un concept store, là où on fait des ventes privées, on reçoit des artisans qui peuvent exposer leur... C'est où? Alors c'est à Clerval. D'accord. Oui. Ça s'appelle... Le concept store s'appelle VisuArt. Alors on prend en charge les œuvres des artisans. Oui. On les met en vente. Oui. Et on invite des gens à venir acheter, les entreprises. On fait la promotion des... Super, ça. Ouais. On essaye des... Vous êtes avec elle dans le concept store, non? Oui. Ah oui? Ah oui. D'accord. Vous êtes la chef de file, quoi. Oui. C'est bien, hein, c'est super, toi, ça. Voir les artisans qui s'organisent entre eux et qui...
Parce qu'on a souvent, vécu en individualiste et agir en individualiste. Et aujourd'hui, voir tout le monde un peu se réunir, être fédéré autour de... Non pas d'une cause, mais d'une... Généralement, les artisans, ils n'ont pas de difficulté à travailler. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent... La difficulté, c'est plutôt d'accéder au marché. Exactement. Et que les consommateurs accèdent à vous. Exactement. Parce que je vous rappelle juste qu'on a été envahis aussi... Même si je salue ce grand pays qui est la République de Chine, République populaire de Chine, mais qui est capable de vous produire et du kabyle, tiens, dans votre cas du bijou kabyle qui est arrivé made in China. Oui, on est touché. Exactement. La wouche de Pékin fait des bijoux kabyle, c'est très bien, hein, mais je veux dire, après c'est parce que nous aussi on n'a pas su. Oui, on a laissé le champ libre. On a laissé le champ libre. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans un sujet économique. Ce qui nous intéresse, c'est la beauté de l'art aujourd'hui avec vous. Exactement. Tiens, on va passer aux bougies avec vous, Nabila Ouam. Vous faites votre retour sur le plateau, on s'était déjà vu. Hein. Oui, Bon, c'est bien passé, tranquille. Oui, très très bien. Les bougies, c'est votre dada. Oui. Rappelez-nous votre métier, vous, c'est Notre métier, c'est la fabrication de la bougie. Voilà. À 100%, quoi. À 100%. Vous faites que ça. On fait que ça. Et ça marche bien. Alhamdoulilah, ça marche bien. Oui. Alors, vos bougies, elles sont disponibles. C'est des bougies décoratives. Déjà ? Oui, oui. Tiens, la bougie qui est ici, c'est, alors moi je l'ai appelée la tour de Pise. Voilà, la bougie tour de Pise, c'est, elle est comme la tour de Pise. Elle est un peu inclinée, mais elle est stable, je vous rassure. Alors du coup, vous travaillez avec quelle matière, vous ? On travaille avec plusieurs matériaux. La tour de Pise, elle est faite à base de cire d'abeille. D'accord. Donc c'est du 100% cire d'abeille. C'est bon, ça. Oui, c'est très bon. C'est pas toxique, j'imagine. Du tout, non. Du tout. Au contraire, pour les gens qui font des allergies, qui ne supportent pas les parfums. C'est ça. Donc, ça sent de la cire naturelle, voilà. Magnifique. Voilà. Et alors, c'est bénéfique. Ensuite, nous avons d'autres matériaux. Oui. De la paraffine, de la cire de soja, de la cire de séarine, voilà. Ça dépend des créations et des produits et de leur utilisation. Mais c'est quoi? C'est des moules ou c'est fait à la main ou c'est fait comment? Alors, certaines pièces sont faites à la main. Oui. 80% de notre travail est fait justement avec... c'est un travail manuel, donc c'est fait à la pièce. Oui. Voilà, et puis on rajoute une petite touche personnelle et personnalisée, comme les petites bougies la berbère. D'accord, tout simplement. Oui, c'est trop grand. C'est grand. Non, c'est juste ce qu'il faut. C'est vrai, CM? Non. Non? Non. Vous ne trouvez pas? Non. Et alors, à quoi il sert votre objet? Non, mais elle est trop grande, la bougie. Ah, c'est la bougie qui est trop grande. Mais sinon, c'est quoi? C'est pour des bougies aussi? Oui, c'est des bougeoirs. Ah, c'est des bougeoirs, oui, on est d'accord. Je me suis dit peut-être que... Non, non. Voilà. Voilà, padre. C'est vrai, le rituel. Hein. Avant, nous, les pétards, on ne connaissait pas ça. Ouais, alors, du coup, vous êtes au Concept Store, donc à Clerval. Effectivement. À côté, à Chevalet. On a adhéré totalement. Mais vous avez aussi un autre espace de vente ou... Oui, nous avons plusieurs espaces de vente au niveau de notre atelier, déjà, un premier espace de vente. Et puis, au Concept Store, qui est tout nouveau, on a Carrefour City Center, on a Adraria, on a Alger Centre. On essaie d'être présent un peu partout. Votre atelier se trouve où? Il se trouve à Oulette Fayette. D'accord. Et vous êtes combien à travailler dans cet atelier? Nous sommes 4 personnes à travailler dans l'atelier. On peut vivre de la bougie aujourd'hui en Algérie? Nous, on doit vivre de la bougie pour nous. On est obligé. On est obligé. On doit et on le fait actuellement. C'est super. Et votre produit phare, c'est lequel? C'est celui qui est décoré avec des bijoux. Exactement, c'est les bougies bijoux. Et notre point fort aussi. Vous pourriez m'en passer une? Bien sûr. Hop là, bougie bijoux, c'est celle-ci. C'est ça, hein? Tu veux la voir? Elle est là. On va la voir dans quelques instants. Ça, c'est ce qui marche le plus. Oui. C'est les bougies d'occasion, quoi. Exactement. Des grandes occasions. Exactement. Et puis, ce qui est apprécié dans ces bougies-là, dans cette gamme-là, c'est que le fait que ça soit personnalisé et que ça soit traditionnel. Donc, c'est une bougie qui représente un petit peu la tradition algérienne. C'est ça. Donc là, c'est très apprécié. Voilà. Super. Et ça tombe bien. De la bougie bijoux, on va passer aux bijoux avec vous, Sonia Awadjan. Alors, vous êtes... artisane aussi, vous faites du bijou, c'est votre métier? C'est mon métier. Vous faites que ça? À plein temps, je fais que ça. Ouais. Ça vous avez été formée où? Alors j'ai été formée par... Vous avez appris où le métier en réalité? Donc à Tizi Ouzou, on est basé à Tizi Ouzou, je l'ai appris par un artisan lui-même, qui aujourd'hui est mon associé, puisqu'on est deux, d'où le nom Isoran KS Création, Kamel et Sonia. Donc j'étais sa stagiaire et je suis devenue son associé. C'est super. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené au bijou?
C'est ce qui m'a amené aux bijoux. Alors certainement oui, c'est dans ma culture, forcément. Ouais. Ça fait partie du patrimoine kabyle, berbère en général. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Depuis qu'on est jeune jusqu'à l'âge adulte, ça fait partie du trousseau de la femme. Et puis certainement aussi, moi je suis de formation styliste modéliste à la base. D'accord. Donc il y a quand même des corrélations entre le bijou et le vêtement. Ça avait fait un arrêt quoi. Oui, c'est tout. Voilà, tout simplement, c'est une petite déviation, mais sinon on est toujours dans la couleur, dans le design, dans la forme, voilà. Et du coup, c'est uniquement de l'argent, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est uniquement de l'argent. Principalement. C'est de l'argent 925, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 925 grammes d'argent. Oui. Et le reste, c'est du cuivre. Forcément, dans un bijou en argent, il y a toujours un tout petit pourcentage de cuivre pour que le bijou soit solide. C'est ça. Mais c'est le premier titre c'est de l'argent massif, voilà. Mais quand vous dites 925 sur 1000, c'est ça ? 925 grammes sur 1000 grammes. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous laissez 75 grammes pour le cuivre, pour solidifier. Pour solidifier le bijou, oui. C'est ça. Mais c'est le premier titre du bijou. D'accord. Donc c'est de l'argent massif. C'est-à-dire que 925, c'est quoi ? C'est de la haute qualité ? Oui, c'est le premier choix en bijou en argent. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Premier choix en bijou en argent. Et après les autres, pourquoi c'est du 500-500 Non, c'est du 925 cuivre, 75 argent. C'est ça ? En grande majorité, les artisans en bijouterie kabyle utilisent le premier titre, l'argent 925. Après, quelques-uns qui sont minoritaires sont dans le deuxième titre. Bon, c'est de moins bonne qualité. Ouais. Voilà, l'essentiel, c'est de le dire au client et d'être transparent. Ça pourrait presque être unisexe. Non, mais moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai mis. Pour vous éviter des mains, pour vous éviter des copes, pour vous éviter des trucs. Là, s'il fixe ici, que ce soit un homme ou une femme qui le porte, c'est juste pour voir le modèle à quoi il ressemble. Et en plus, sur un fond foncé, vous l'avez parfaitement mis en valeur. Tu prends la photo, s'il te plaît. Tu fixes, parce que c'est bientôt la fin. Donc, vous avez un atelier à Tizi ? Alors, on a un atelier et une boutique aussi à la Maison de l'Artisanat. Boutique à la Maison de l'Artisanat de Tizi Ouzou ? Tizi Ouzou, en plein centre-ville. Tizi Ouzou Centre. Oui, c'est ça. Et bien, vous allez rejoindre le concept store ? On l'a déjà rejoint depuis plusieurs mois. C'est bon ? Voilà. Voilà, le bijou. Si on pouvait juste serrer un peu, vous allez voir, en tout cas, le travail de finition, c'est extra. Les motifs berbères. Ah oui, non, c'est... On retrouve dans la symbolique de la poterie, de la tapisserie. Magnifique. Magnifique. Merci. Bah, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup de bonnes expériences. Oui, allez-y. Si c'est possible. On finit avec. J'invite tout le monde à faire un tour au marché du Mouloud, à Riyad el-Fetah et au Palais de la Culture. J'invite tout le monde à venir faire la fête le 20 novembre avec nous. Au Palais de la Culture. Et je vais dire un petit mot pour notre prochain événement. Ça va être à Oran, c'est la deuxième édition de l'écrin d'art. On a fait la première ici à Alger. Vous revenez quand vous voulez. Ok. Vous revenez, merci. Vous en parler. Merci aussi à Hamid Douldedra. Merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci. À demain. Ciao, camarades.